La suite de l'exercice de la vidéo précédente, je vais insérer un escalier le long du bâtiment. Donc je vais faire fichier importer et je vais chercher l'escalier que j'ai dessiné auparavant dans SketchUp. Donc là il est sur le réseau. Alors évidemment il faut que je mette le type de fichier que je veux importer. Moi c'est un fichier SketchUp. Et puis là je retrouve dans la liste mon escalier. Je vais l'accrocher au-dessus de la zone qui va occuper sur mon plan. Vous voyez ici, il fait le coin du bâtiment. Et je vais utiliser l'outil tamponné de la barre d'outils du bac à sable pour venir imprimer cet escalier sur ma surface. Une fois que j'ai sélectionné, je vais lui dire que je veux un décalage de 0. Donc je tape 0 au clavier et je fais entrer. Et ensuite, je vais venir cliquer sur la zone que je veux tamponner. Et vous voyez, il me reste à ajuster de combien je veux tamponner. Donc là, je vais zoomer histoire d'abaisser l'escalier jusque le bas de mon bâtiment. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Et il me reste, avec l'outil déplacer, à cliquer sur un coin de mon escalier, pour être précis, et à venir le déplacer dans l'encoche prévue à cet effet sur mon terrain. Voilà.